Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors comme promis précédemment et comme promis également depuis plusieurs mois, la voici, la voilà, ma nouvelle rubrique consacrée à la gamme de jouets Mask. Qu'est-ce que Mask? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on va faire un petit topo rapido de cette gamme de jouets et de ce dessin animé bien sûr qui l'accompagnait comme c'était bien souvent le cas pour les jouets des années 80. Alors donc il s'agit tout simplement d'une série franco-américaine qui a été créée par la troupe, le trio le plus connu donc qui nous a apporté donc la majorité des dessins animés des années 80, à savoir Monsieur Jean Chalopin, Bernard Derriès et Bruno Bianchi, et qui était produite par la DIC et diffusée en France sur TF1 dans la fameuse émission jeunesse La Vie des Bottes en 1986. Et pour faire bref, ce dessin animé donc nous relate les aventures d'un groupe d'intervention spéciale, le Masque, Mobile Armored Strike Commando, luttant contre l'organisation criminelle Venom, Vicious Evil Network of Mayhem. Mayhem étant le chef de cette organisation, bien entendu. Et comme je vous le disais au début, donc voilà, comme de nombreux jouets des années 80, que ce soit Ulysse 31, que ce soit les maîtres de l'univers, les Transformers, les Gobots, etc., etc., le dessin animé, avait donc pour vocation de promouvoir ces jouets. À la différence pour Mask, que la distribution donc des jouets s'est faite un petit peu avant l'arrivée de la série animée. Et donc les figurines qui accompagnaient les véhicules, chose assez rare également, puisque souvent donc on avait des jouets en fonction des playsets, des véhicules qui n'étaient pas toujours livrés avec leurs figurines. Là, c'était le cas pour la gamme Mask. Et donc pour éviter que ces derniers soient trop volumineux, comme c'était le cas par exemple pour Star Wars ou pour G.I. Joe, donc Kenner, le fabricant, a choisi de créer un compromis en proposant donc une échelle 1/30e, donc voilà, échelle qui sera optée pour l'intégralité de la gamme Mask. L'avantage, c'est qu'on a une cohésion du coup entre l'échelle humaine-véhicule, mais également plus ou moins entre les véhicules eux-mêmes. Voilà, donc ça c'était également le point fort de cette gamme, avec des figurines bien entendu articulées, alors pas articulées à 100%, mais on avait quand même les bras, la tête, les jambes et les genoux, donc ce qui pour la taille de ces figurines était déjà quand même plutôt pas mal. Voilà, donc je vous ai fait un topo, récapitulons un petit peu donc la série et donc les petites anecdotes qui vont avec. Nous allons pouvoir à présent nous attarder donc sur le premier véhicule que je vais vous proposer, à savoir bien évidemment le Rhino. Voilà, sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux trucs là, machin, juste ici, vous feront comme toujours un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti les petits amis! Chevalier Max! Oh, t'es trop la honte, c'est pas Max, c'est Masque! Tu sais même pas le dire! Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Bon bah, allez, hein, plutôt que de me faire foutre de ma tronche, on vous laisse découvrir cette petite gamme. Nous, on va s'asseoir et on va regarder tout ça de plus près. Ouais, à tout à l'heure, mec! Ouais, tchuss! Et le voici, le voilà, devant vos yeux ébahis, écarquillés, épatés, époustouflés, époustouplifiés, le Rhino, sorti donc en 1985. Le Rhino qui n'est autre que le QG mobile de la Team Mask, et qui, pour les plus connaisseurs en matière donc de camions américains, donc est inspiré du Kenworth Flatliner W 900, une véritable petite merveille aujourd'hui encore, et ce 35 ans après. Voilà, une gamme de jouets qui était parfaitement aboutie et qui reste aujourd'hui donc un produit cultissime pour toute une génération. Point important aussi à noter, et petit aparté au passage donc sur cette gamme Mask, c'est que donc bien que cette série soit à l'origine franco-américaine, nous devons le design des véhicules à Artmic, qui n'est autre qu'une société japonaise à qui l'on doit entre autres les méca design de Mospida, Megazone 23, Bubblegum Crisis, etc., etc., et que le responsable donc des designs n'est autre que Shinji Arakami, le réalisateur du cultissime film d'animation Appleseed, que je vous conseille également au passage d'aller voir. Donc voilà, série franco-américaine, design japonais. Comme quoi, les Japonais, dans tout ce qui concerne donc le concept du jouet transformable, reste et restera toujours donc le maître absolu en la matière.
Avant donc de poursuivre les présentations avec le Rhino, je tenais également donc à remercier mon partenaire entre guillemets, puisqu'il s'est prêté au jeu. J'ai eu l'occasion donc de le rencontrer au tout début de l'été, donc au tout début du mois de juillet avec mon sponsor Neonis. Donc je remercie très vivement Mathieu aka Cliff Dagger. Cliff Dagger, qui c'est tout simplement donc un fan ultime. Un fan ultime, voilà, le mot est faible, c'est vraiment pour moi l'un des plus grands fans francophones de la gamme Masque, et qui, à ses heures perdues, crée aussi donc des jouets Masque, des pièces, des figurines, enfin bref, qui fait un travail colossal. Nous avons eu l'occasion et l'honneur de le rencontrer, c'est un mec super sympa. Donc je le remercie pour s'être prêté au jeu, pour accepter d'avoir été mon partenaire. Pourquoi? Tout simplement parce que cette personne donc nous a cédé quelques petites pépites, voilà, quelques petites pépites dont uniquement des inédits, on va dire, qui ne font pas partie à l'origine de la gamme Masque, de la gamme officielle en tout cas Masque. Vous avez pu voir donc dans mon générique de début le sous-sol du Boulder Hill par exemple, qui a été entièrement créé de ses propres mains, et puis donc d'autres choses que je vous présenterai donc par la suite. Donc merci à Cliff Dagger pour son partenariat et pour son extrême sympathie, et merci donc également à mon sponsor, voilà, qui s'est prêté au jeu et qui a lui-même donc investi dans le sous-sol et voilà dans un autre truc, et un cadeau pour moi aussi que je vous montrerai bien sûr lors de mes prochaines revues. Voilà, donc nous allons pouvoir revenir à présent sur le Rhino en lui-même, en nous attardant donc sur les finitions. Comme vous pouvez le voir, elles sont absolument splendides. Les plastiques sont de très bonne qualité, même si certains ont tendance plus ou moins à un peu mal vieillir avec le temps. Alors pas tant les plastiques, mais les systèmes mécaniques, puisque oui, pas mal de véhicules, donc des premières séries masques, sont actionnés par des poussoirs, des leviers, des mécanismes, enfin voilà, vraiment très très ingénieux. On peut remarquer au passage donc que nous avons des vitres translucides hein, pour cette partie arrière, pour le pare-brise avant. Énormément de finitions et de détails très peaufinés, très soignés en chrome, voilà, du plus bel effet. Alors il n'est pas tout jeune, hein, il a traversé le temps, il a traversé les combats, les batailles. Mais voilà, il est encore très propre, pas trop jauni, les chromes sont encore très propres. On voit ici les klaxons, les phares, voilà, les gros réservoirs ici, le moteur juste ici à l'avant, les klaxons au-dessus, sur le côté, voilà, pareil. Que dire de plus? Nous avons donc les jantes qui sont également chromées, des pneus en gomme véritable, et je vous montre, alors je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, j'essaye de faire une petite mise au point. Voilà, les pneus qui sont estampillés Goodyear, le souci du détail à son paroxysme. Nous retrouvons également les rétros et cheminées, là encore en chrome, les marchepieds toujours en chrome, les citernes là encore en chrome. Vous voyez, hein, en termes de, voilà, de finition, c'était vraiment du jouet absolument qualitatif. Cette partie arrière, donc l'accroche remorque, est également en chrome. Voilà, que dire de plus, hein, les finitions sont là, les moulures, les sculptures sont de toute beauté. Nous avons donc des roues motrices à l'arrière. Voilà, vraiment un véhicule absolument sensationnel. Juste ici, vous voyez, même ces petites pièces, hein, le souci du détail, comme je vous disais, vraiment poussé à l'extrême. Voilà un petit peu pour ce petit camion, petite façon de parler, hein, si on compare ma main, ou si on compare, allez, je vais prendre, voilà, mini moi. Vous voyez que voilà, l'échelle 1/30e était vraiment absolument parfaite pour cette gamme de jouets. Et au niveau de l'undercarriage, voilà, quelque chose de propre. Voilà, que dire de plus? Le travail même en dessous, hein, est vraiment très très bien élaboré. Alors, petite chose aussi très appréciable, qui fait aussi le succès de la gamme de jouets, et en tout cas, moi, mon intérêt à cette époque-là, en plus du fait que les jouets étaient transformables, c'est que là, comme nous avions des figurines, nous avions donc la possibilité d'ouvrir par exemple les portières, de façon à y placer les figurines à l'intérieur. Alors on peut voir hein, les détails du tableau de bord, le levier de vitesse, le volant qui, voilà, qui tourne réellement. De l'autre côté, nous avons quoi? Nous avons un petit sticker, voilà, avec quelques petits compteurs dessus. Enfin bref, et on aperçoit un petit peu donc l'arrière également, voilà, de ce compartiment-là. Donc vraiment, voilà.
une gamme de jouets qui en a marqué plus d'un qui continue toujours à faire autant parler d'elle, à savoir, pour ceux qui ont suivi ma revue sur le comics édité par Vestron avec donc leur partenariat, Vestron va également donc proposer un comics Mask Revolution, et puis également donc des crossovers entre Mask, Microman, Transformers, G.I. Joe, etc. Bref, les grosses licences de l'époque. Concernant donc les figurines fournies avec le véhicule, comme c'est un playset assez important, et pour rester donc en cohésion avec le dessin animé, en tout cas du moins le dessin animé qui veut rester en cohésion avec les jouets, nous retrouvons donc bien évidemment notre pilote Bruce Sato, voilà, l'ingénieur mécanicien de la team, et dans le civil donc qui est un designer de jouets, voilà. Là encore, les finitions sont extrêmement soignées, rien à dire. On remarquera tout de suite, et le choix est relativement judicieux, c'est que au vu de la taille de la figurine, alors j'essaye de faire un zoom sans trop affoler donc mon focus, c'est que voilà, les yeux ne sont pas peints. Voilà, ce qui évitait d'avoir des yeux soit avec un strabisme, soit voilà. Donc on, quand même, voilà, figurine très soignée. Nous avons donc les pouces écartés, voilà, le détail donc de la tenue. Alors ils ne sont pas en civil, hein, ils sont dans leur tenue d'attaque, de commando. Voilà un petit peu donc pour Bruce Sato. Et à savoir donc que Bruce Sato, une fois son masque revêtu, donc possède le pouvoir du masque appelé Bullox. Voilà, lorsqu'il dit Bullox, à ne pas confondre bien sûr avec les Bullox, c'est pas du tout la même chose, donc qui lorsqu'il crie ou qu'il invoque donc Bullox, crée des champs magnétiques à l'aide de son casque. Voilà pour Bruce Sato. Nous retrouvons voilà le leader de la team, Matt Tracker, voilà, leader du groupe, un milliardaire philanthrope, dans sa tenue spécifique au camion, puisqu'il a une autre tenue d'action de commando lorsqu'il l'utilise le plus fréquemment, souvent dans la série, sa voiture Thunder Hawk. Voilà, donc petit personnage là encore très réussi, avec donc les mêmes articulations, on va y revenir aussi. Et donc à savoir que son masque, donc pour le coup avec cette combinaison et lorsqu'il utilise le camion, donc le pouvoir du masque est ultra flash. Voilà, quand il invoque ultra flash, il crée donc une sorte de lumière aveuglante. Voilà, et à savoir aussi que le masque qu'il porte donc avec le camion dans la tenue pour le camion, c'est également donc le masque, le logo de masque, tout simplement. Voilà un petit peu donc pour Matt Tracker, et lorsque Matt Tracker n'est pas donc au sein du camion mais avec son bolide, nous avons donc voilà le copilote juste ici. Voilà, le voici, le voilà, Alex Sector. Un expert en informatique et en télécommunication qui, dans le civil, donc, est un spécialiste en zoologie et aussi un vétérinaire qui a donc sa propre boutique. Voilà, Alex Sector. Alors, ce n'est pas tout à fait les couleurs de la figurine, du gilet et de la tenue officielle, hein. Là, c'est un autre petit playset. Mais voilà, donc, voilà, comme j'en ai plusieurs, j'aime bien inclure celui-ci, donc, dans le set Rhino. Voilà un petit peu. Et donc, au niveau des articulations, et c'est valable pour les trois figurines et pour toutes les figurines en général. Donc, vous voyez, nous avons la tête que l'on peut bouger de gauche à droite. Nous pouvons donc bouger également les bras à 360. Nous avons également donc la possibilité, voilà, de les asseoir et de les asseoir comme ceci, donc pour les faire intégrer certains véhicules. Voilà, au niveau des articulations, c'est amplement suffisant, et vu de la taille de la figurine, donc ça empêchait justement de les abîmer ou de les casser. Les figurines sont du coup un peu, les articulations sont du coup un peu moins fragiles. Alors, on repasse vite fait à Bruce Sato. On vient lui placer son masque de combat. Voilà. Et donc, il n'a plus qu'à invoquer Bullox. Et là, on a des espèces de petits cerceaux donc qui sortent de sa visière. Voilà. Et comme je vous le disais, donc, voilà, capable donc de créer des champs magnétiques. Donc, voilà pour Bruce Sato. Je le rapproche un petit peu si vous voulez voir de plus près les finitions du casque. Vraiment très très bien réalisé. Nous passons à présent donc à Matt Tracker. Voilà, alors, Monsieur Focus, faites-moi une jolie petite mise au point. Pareil, même topo, on vient lui placer son masque.
Et le voici donc, et le masque, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ou qui ont déjà vu le logo, bah, tout simplement, le masque représenté sur le logo masque, c'est le masque que porte donc Matt Tracker, voilà, lorsqu'il a la tenue adéquate pour le rhino. Voilà, avec donc son pouvoir Ultra Flash, donc qui crée des lumières aveuglantes. Et on va terminer donc par Alex Sector. Et pareil, donc nous pouvons mettre le casque sur notre barbu. Voilà, casque qui est en partie ajouré, donc qui laisse dévoiler le bas du visage. Voilà, casque extrêmement réussi là encore. Et donc, il n'a plus qu'à invoquer donc son pouvoir Lévitator, donc voilà, qui lui permet donc de pouvoir voler à sa guise pendant donc un certain moment. Hein, c'est pas non plus à l'infini, puisque les masques donc se régénèrent au fur et à mesure des missions, donc dans le fameux sous-sol de la base masque. Et voici donc notre leader, Matt Tracker, au volant de Rhino. C'est hyper beau. Et pareil de l'autre côté, donc Bruce Sato, voilà, juste à ses côtés. La grande classe. Que serait un véhicule masque sans ses compétences? Puisqu'il faut savoir donc que ces véhicules qui, au premier abord, ressemblent à des véhicules civils, à n'importe quel véhicule civil, mais qui dit donc véhicule, donc armure, véhicule, donc armure blindée de combat, dit aussi donc gimmick. On retrouve un petit peu comme les robots transformables, donc voilà le concept du 2 en 1, si ce n'est que les véhicules masques ne se transforment pas en robots, mais bel et bien en véhicules d'attaque. Donc on va commencer donc par le gimmick le plus classique de masque, à savoir donc ces cheminées d'attaque. Et pour cela, donc vous n'avez tout simplement qu'à prendre les cheminées, à les abaisser comme ceci. Et voilà donc les cheminées qui font office de laser. Voilà, c'est tout con, il fallait y penser, mais ça fait vraiment son effet. Donc voilà, pour le premier gimmick d'attaque du véhicule. Nous avons aussi le pare-choc avant qui fait office de bélier. Et pour cela, on va passer à l'arrière. Vous avez deux poussoirs ici, chromés. Donc celui de gauche va servir à actionner le bélier et celui de droite, un autre gimmick qui se trouve donc de l'autre côté. Alors, donc pour actionner donc le bélier, il suffit tout simplement d'appuyer voilà, sur le poussoir à l'arrière. Et voilà, le bélier sort, monté sur ressort, voilà, prêt à emboutir, à expulser donc les véhicules de Venom qui sont sur leur chemin, ou tout simplement donc des pierres, des pièges, tout un tas de choses. Et puis donc le second gimmick qui se trouve ici, voilà, lorsque vous ouvrez donc la porte de Bruce Sato, vous appuyez donc sur le deuxième poussoir juste ici, et nous avons le siège éjectable. La grande classe pour l'époque. Yes! Alors, autre gimmick qui dit véhicule d'attaque et QG mobile, dit forcément donc mini-base. Vous avez donc une mini-base intégrée donc au véhicule. Alors je vais le rapprocher un petit peu, peut-être même comme ceci. Voilà, vous prenez toute cette partie-là arrière, vous la faites glisser comme ceci. Vous ouvrez cette plaque-là et vous avez donc voilà l'escalator, l'escalier d'accès, donc qui mène directement au QG. Alors je vais essayer de faire voilà une vue de dessus pour que vous voyez donc les stickers apposés, voilà, avec tous les ordinateurs intégrés, les petits placards en dessous. Vous avez encore voilà un autre petit voilà ordinateur qui se situe juste ici. Chose sympa, c'est que tout comme dans le dessin animé, nous avons donc le petit QG voilà qui communique avec le cockpit. Et puis donc vous avez cette partie là, hop là, juste ici, qui fait du coup office de radar, donc voilà, pourvu d'une rotation à 360, avec également donc la possibilité de positionner différents l'angle du radar. Vous avez cette partie là, voilà, juste ici, qui est un lance-missile et qui est normalement donc actionné grâce à ce poussoir-ci,
Malheureusement, sur mon exemplaire, voilà, qui a fait pas mal de guerre, le petit loquet donc est cassé, donc ce qui fait que le missile ne tient pas en place. Donc le missile, le voici, le voilà. Et comme vous pouvez le constater, donc le loquet qui vient maintenir donc le système d'éjection, voilà, est cassé. Mais néanmoins, l'éjection du missile se fait toujours aussi bien. Alors oui, forcément, si je fais comme ça va pas le faire. Allez, vous me donnez une seconde chance, hein. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et voilà, donc le missile qui s'éjecte pour faire bobo à Venom. Et voici donc notre Alex Sector, voilà notre expert en informatique et en télécommunication, en train donc de vérifier des échantillons, d'analyser des choses et d'essayer donc de remonter à la piste des terroristes ou en tout cas des vilains qui ne sont d'autres, bien évidemment, que voilà les Venom. Petite vue de face juste pour le fun où nous voyons donc Masque juste ici. Voilà. Bien préciser que ce sont les gentils. Et petit dernier gimmick, en clin d'œil également à un épisode, vous avez donc cette partie à l'arrière juste ici qui vient. Alors là, c'est un petit peu plus délicat pour le coup. Alors, je vais essayer de faire voilà, comme je fais le plus souvent possible. Vous venez détacher le véhicule à l'arrière. Hop là, voilà qui est fait. Et nous avons donc voilà un petit véhicule secondaire, voilà, un petit véhicule de secours, voilà, pourvu donc de petits canons, voilà, à l'arrière également. Et vous avez donc la trappe de fixation de la remorque qui s'ouvre, un fauteuil à l'intérieur, et vous n'avez plus qu'à placer donc une figurine aux commandes, et voilà donc le petit véhicule secondaire, voilà sur roue motrice, prêt à partir à l'aventure au cas où donc le camion serait dans un état un petit peu proche de l'usure, mais voilà, je n'en dis pas plus, hein, c'est vraiment en clin d'œil à un épisode. Je vous invite d'abord, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas ce magnifique dessin animé Masque, qui a quand même encore plutôt pas mal vieilli, de regarder, hein. Vous avez pas mal d'épisodes en VO malheureusement, mais disponibles donc sur YouTube, faites-vous plaisir, hein. Vous avez quasiment les 75 épisodes disponibles sur YouTube, et puis vous pouvez bien évidemment sinon trouver les coffrets DVD. Voilà, on va refixer la partie arrière. Alors c'est sans doute la partie la plus délicate à retirer. Et voilà donc notre véhicule masque prêt à livrer des batailles et de nombreuses aventures, puisque voilà ce véhicule-là est quasiment omniprésent donc dans la première série. Il y a eu deux séries. Je viendrai sur la seconde série donc à l'occasion, au moment venu, mais pour l'instant donc c'est vraiment la première série avec l'un des premiers jouets donc sorti donc en 1985. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma première revue de ma toute nouvelle playlist consacrée à la gamme Masque. Voilà, ça fait quelques années, quelques temps que j'avais envie de vous en parler. D'autres viewers l'ont fait, peut-être mieux que moi. Je n'ai pas, comme je vous disais, hein, la prétention de dire que je fais mieux ou moins bien ou quoi que ce soit. Je présente juste cette gamme que j'aime, avec mon vocabulaire, avec la passion qui est mienne. Voilà, donc. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, moi, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à vous présenter donc ce tout premier véhicule. Si vous voulez voir d'autres revues, n'hésitez pas à me le faire savoir. Ce sera bien entendu avec un immense plaisir que je passerai en revue tous les véhicules que je possède. Alors, je n'ai pas l'intégralité de la collection. J'ai vraiment avant tout les véhicules que j'aime. Voilà. J'espère en tout cas que cette revue vous a permis pour les uns de découvrir cette formidable gamme de jouets masques que Kenner a eu voilà le privilège de nous faire connaître. Kenner, malheureusement, qui n'existe plus aujourd'hui. J'espère pour les plus anciens qui auront le plaisir donc de redécouvrir ces jouets,
peut-être donc de retourner dans leur vitrine, les sortir et jouer un petit peu avec, ou peut-être même, pourquoi pas, avoir envie de se remettre à les collectionner ou à compléter leur collection, hein. C'est vraiment une gamme que je conseille. Tant les finitions, tant la réalisation, tant l'ingénierie pour l'époque était vraiment voilà, très évoluée, très élaborée, des finitions magnifiques. Je remercie donc à nouveau Cliff Dagger donc pour la confiance qu'il m'a accordée donc pour cette revue. Merci infiniment Mathieu, c'est super cool, et merci également donc à mon sponsor Yanis qui m'a permis donc de découvrir ce collectionneur et créateur vraiment voilà fabuleux, un super mec. Donc voilà. Je vous souhaite sur ce donc un bon week-end. Profitez-en bien, reposez-vous bien. Nous, on se retrouve, si tout va bien, donc début de semaine prochaine pour un petit unboxing mais quoi qu'est-ce. Et puis donc fin de semaine prochaine, eh bien je présenterai donc un autre véhicule masque. Voilà, j'arrête là pour le moment. Je vous souhaite le meilleur possible, toujours, bien entendu, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss! Ouais, voilà, je suis paré. Grâce à mon petit robot transformable, je vais pouvoir moi aussi intégrer l'équipe Masque. Ouais! Oh ouais, par contre, faut me dire comment tu vas être capable de mettre un masque avec cette touffe que t'as sur la tête, parce que là, ça va être chaud quand même. Hein. Ouais, bah t'y connais vraiment rien du tout, mec. Allez, chante-moi le générique. Ça va me donner la motivation nécessaire. Youhou! Chevalier Max! Mais non! T'es nul! Je t'ai déjà dit! C'est Masque! Pas Max! Ouais, bah désolé, je sais pas dire Max! Enfin, Max quoi! Enfin, Max! Oh, j'y arrive pas! I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.